Voilà, je vous présente du coup la leçon qui s'intitule Le commerce du café. Le commerce du café est planétaire, c'est-à-dire que c'est un échange sur toute la planète presque. Le café est produit entre les tropiques, c'est-à-dire les lignes, vous savez, les lignes du Cancer et du Capricorne, les tropiques du Cancer et du Capricorne. J'aurais dû d'ailleurs vous le souligner, se souligner ça. C'est important comme mot les tropiques parce que vous verrez ça souvent. Hop là. Il est transporté par bateau vers des ports importateurs. Voilà, c'est-à-dire des ports qui amènent. Exportateur, ça veut dire envoyer. Importateur, ça veut dire recevoir. Voilà. Là, vous mettez votre port préféré. Voilà, vous préférez le port de Marseille, vous mettez le port de Marseille. Vous préférez le Havre, vous mettez le Havre. Préférez Anvers, vous mettez Anvers. Moi, je mettrai Anvers parce que c'est le seul où on a réussi à aller dedans à peu près. Puis, il est torréfié, c'est-à-dire qu'il est grillé. Hein. Le prix du café varie, change souvent. C'est vrai, le prix, il peut faire comme ça. Le commerce équitable protège les producteurs de ces variations, c'est-à-dire les gens qui font le café, les protègent du fait que le prix varie. Voilà. Et leur offre de meilleures conditions de travail. Voilà. Du coup, je vous laisse copier ça. Et on se retrouve tout de suite pour le silence.